Facebook contrôle tout et fait en sorte que vous ne voyez que 25 amis dans votre fil. Et il y a une façon de contourner cette problématique. Vous prenez le message qu'on trouve dans la chronique, vous le copiez-collez et vous demandez à vos amis d'interagir avec votre publication, de faire un sticker, de faire un sourire, de répondre. Et là, ça va contourner finalement l'algorithme de Facebook et faire en sorte que vos amis vont enfin revoir vos publications. Yeah, ça va être réglé. Tout ça est faux, mais cette publication-là, c'est un classique immortel sur Facebook. Régulièrement, ça revient à la mode. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il existe un algorithme de Facebook. En passant, si ça vous intéresse de bien comprendre comment fonctionne l'algorithme, là, dans la chronique, on vous dirige vers une autre chronique qui parle spécifiquement de ça. Mais effectivement, quand on fait un message, plus les gens vont interagir et là, la passe, puis c'est là où ça marche, ce faux message. C'est que plus les gens vont interagir avec votre message, plus Facebook va se dire « Ah, ce message-là, il intéresse le monde. » Facebook va commencer à distribuer votre message à un plus grand nombre de gens. Ce qui fait qu'effectivement, en copiant ce message-là dans votre fil, il y a quelques personnes, ça faisait un petit bout de temps qu'ils n'avaient pas vu vos messages, qui vont vous voir et apparaître. Ils vont dire « Hey, ça marche! » Mais le lendemain, si vous refaites un post qui est moins viral, qui fait que les gens interagissent moins, l'ami en question, il ne vous reverra pas, là. Fait que c'est pas vrai que vous avez fait le ménage de votre fil, que vous avez lancé un nouveau fil, que là, soudainement, tout le monde va vous voir parce que ça s'appelle l'algorithme. En passant, comment réussir à voir un petit peu plus les messages des gens? Quand vous êtes avec un ami, vous pouvez choisir parmi vos amis lesquels vous allez voir en premier dans votre fil d'actualité. Parce que du monde, on est amis, puis il y a des gens qu'on est amis. Et ça, on peut choisir qui va être en avant et qui, au niveau des pages que vous suivez, exemple, vous suivez peut-être la page, j'espère, vous suivez la page françoischaron.com. Pourquoi vous ne voyez pas nos messages? Tout simplement parce que quand, on va vous donner la recette dans la chronique, là, mais quand vous êtes dans la section, mettons dans la page de françoischaron.com, dans les notifications, il faut que vous cliquiez sur le petit crayon à côté du mot notification pour dire « Je veux voir toutes les publications de cette page-là ». N'ayez pas peur, là. Vous n'en recevrez pas un million. Facebook bloque à 5 maximum par jour, ce qui est à peu près ce qu'on fait, nous, à françoischaron.com. Comme ça, vous ne raterez plus de contenu. Alors, on est capable, là, de contourner l'algorithme, mais c'est les seules choses que vous pouvez faire. Puis c'est pas vrai qu'on reset la page puis que là, soudainement, on revoit du monde et il n'y a pas de limitation à 25 personnes. C'est une autre de ces merdes à diffuser en copier-coller sur Facebook. Mais allez lire la chronique en dessous, il y a plein de beaux détails intéressants.